Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on est tous très déçus du résultat, forcément, parce que je pense qu'on a fait tout ce qu'on devait faire et parfaitement pour avoir un résultat ce soir. Malheureusement, on ne l'a pas. Parce que le Paris Saint-Germain, ce soir, a marqué un but totalement irrespectueux pour le football, dans le sens où il n'est pas valable. Ça veut rien dire, mais je m'en fous, je suis un entraîneur de Ligue 1. Donc je parle pas bien français, mais c'est pas votre problème, vous êtes que des cons de journalistes. On a eu énormément de cohérence de notre plan de jeu. Je trouve qu'on a su mettre à mal le Paris Saint-Germain. Malgré tout son argent, il n'a pas su nous dominer. Et on a fait le nécessaire pour lui faire peur, pour lui faire très peur. Après ce soir, voilà, je suis déçu parce que. Parce qu'on méritait beaucoup plus que ce simple, enfin cette simple défaite. J'allais dire autre chose, mais vu que je suis un peu con, bah, ça n'avait aucun rapport avec le résultat. On aurait dû avoir au moins le point du nul, on ne l'a pas ce soir. Donc je suis évidemment déçu pour moi, pour le club, pour les joueurs, pour le staff. Je suis évidemment déçu pour les joueurs, pour le club et pour le staff. Je l'ai déjà dit, mais je m'en fous, parce que je m'appelle Patrick Collot, je suis un peu con. Et c'est vrai que voilà, on a fait un match dans l'ensemble plutôt cohérent, je l'ai déjà dit, je m'en fous. Et ce soir, je suis d'autant plus déçu, pas forcément pour Lille, mais aussi pour tous les Monégasques qui ont dû regarder le match avec intérêt et passion, parce que c'était un très beau match. Et non, je me sens très bien quand je dis ça. On a vu un match de qualité, les Monégasques étaient sûrement devant leur télé en espérant le faux pas du Paris Saint-Germain. Pour prendre quelques points d'avance. Ils en ont déjà 3 d'avance. S'il y avait eu match nul. Attendez, faut que je compte. S'il y avait eu match nul, le PSG aurait pris un point. Mais vu que Monaco en a pris 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc ils auraient eu dans 3 plus 2, 5 points d'avance. Et en cas de défaite de la part du Paris Saint-Germain, ce qui aurait été pas scandaleux vu le match de ce soir. Ils auraient eu, attendez, je compte, le PSG n'aurait pas pris 2 points, Monaco en aurait pris 3. Donc ça veut dire, on a pris 3, donc ça veut dire que Monaco gagne 3 points, Paris en gagne 0. Donc ça fait que 3 moins 0, ça fait 0, enfin ça fait 6. Je me comprends. Donc ce soir, je suis évidemment déçu pour eux parce qu'ils ont dû mal se sentir en voyant le match, en voyant le résultat, en voyant comment ça s'est déroulé. Et je pense que ce soir, on est tous très déçus. Je suis triste pour les joueurs, pour le staff, pour l'équipe. Je l'ai déjà dit, mais je m'en fous encore une fois. Et je suis évidemment déçu. Et vous allez me dire que je me répète très souvent, mais c'est pas mon problème. Je suis évidemment très déçu pour les Monégasques ce soir, qui devant leur écran ont dû se sentir volés. Le championnat est faussé. Je sais même plus prononcer tellement je suis bête. Le championnat est totalement faussé avec ce résultat. Et c'est scandaleux, donc je suis très déçu ce soir de ce que j'ai vu.